Salut à tous, Isaac Frostify, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série les gars. Et cette série là, on va être un combattant de MMA et à l'UFC les gars. Et oui, la bagarre, c'est parti. Ça fait longtemps que j'avais cette idée en place. Et voilà, maintenant j'ai pu mettre les choses en place. Donc je vous présente Kevin les gars. Kevin qui va en plus. En plus, ah là là, moi je dis, Yuzu, fais attention à toi. Fais très attention à toi. En plus, il va rejoindre la Frostify Family. Bon, pour l'instant, voilà. Là, on est concentré sur sa série, donc la série MMA. Donc voilà, c'est un combattant d'MMA. Et là, bah, c'est parti, hein. Là, on a rendez-vous justement à l'UFC. Pour notre début de carrière. Donc voilà les gars, vous allez suivre toute la carrière de ce combattant. C'est parti les gars, on va à l'UFC là, on y va, on y va. On y va, là, voilà, le combat se prépare, on va faire les préparations. Et ça y est, on va se battre les gars, c'est parti. C'est parti les gars, on y va. Voilà. On y est, on y est. En tout cas, voilà les gars, j'espère que cette série va vous plaire. Voilà. Donc là, c'est parti, on est à l'UFC. On va aller tout de suite là. Pour les combats. Donc bien évidemment, voilà, il y a mes entraîneurs, il y a tout ce qu'il faut qui m'attend là-bas. Donc les gars, ça va être chaud, ça va être de la bagarre cette série, ça va être de la bonne bagarre les gars. Donc c'est parti, hein, c'est parti. Retenez bien son nom, Kevin, et il va faire du très très sale. Voilà les gars. Allez, c'est parti. Ok les gars, hein. Bon, premier sparring, tranquille, on s'échauffe. Donc là, voilà les gars, on est dans l'institut, tu vois. Et oh, je l'ai déjà sonné là. Ok, bam, bam, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Déjà, il est jamais au sol. Ok les gars, bon, j'ai mon premier adversaire, César Rodriguez, hein, que vous pouvez voir en bas. Donc je vais l'affronter. Avant ça, on va faire un petit peu d'entraînement. Donc c'est parti, hein. On va partir à la session d'entraînement. Et let's go. Mix it up. Punches, Ok kicks, les gars, elbows, put donc those combos j'ai mon premier adversaire. Hein. Donc là, on est à l'entraînement tranquille. Voilà, on frappe. Ok. Donc là, around. Think about attacking from every angle. voilà, l'exercice en gros, c'est faut que je frappe le sac dans les zones vertes. Donc, Stay light on your ok, feet. on va Change changer up de your position. angles. There you go, that's what I'm talking about. Voilà, on s'entraîne. Circle over. Voilà. Là, on frappe dans les bonnes zones. Ah, mon adversaire, est-ce qu'il est prêt? On va lui faire Okay, adjust. Move on your va lui mettre feet. une drill, hein. On ne cache pas qu'on est déterminé There we là. go. Notre That hard but, work is paying bah, ça va off. être d'être champion, forcément. Donc, Rotate around. est-ce qu'il est prêt? Moi, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas, hein. Voilà, donc là on s'entraîne tranquillement. Here we go. Change position now. Voilà, on frappe dans le sac. Fantastic. Ok. Allez, Shift over. Change up that angle. c'est That's the parti. On best work I've continue. seen out of you yet. Nickel. Bon, on a fait notre petit entraînement du sac. Ok les gars, donc voilà, regardez mon adversaire, mon premier adversaire. Je crois que c'est, voilà, César Rodriguez. Donc c'est parti les gars, premier combat de carrière, on va l'affronter. Et vas-y hein, les gars, hein. Voilà, first premier combat professionnel, ça va être chaud les gars. This is the event. Allez c'est parti, on va se battre. Et les gars, voilà. Hein. Premier combat, on doit le défoncer. Faut qu'on fasse en fait une bonne impression, tu vois. Il y a Dana White, tu vois, le président de l'UFC, il est là, il regarde le combat. Donc voilà, faut faire les choses. Ok, premier combat. Ah ouais les gars, je suis en poids lourd, hein. C'est-à-dire, y a des gros clients là, dans ma caté. Allez, c'est parti. Ok, on est parti. On est parti. Oh là là, ok. Eh, hey, doucement, hein. Nous, on arrive là, doucement. Eh, hey. Allez, c'est parti, hein. On bombarde. On bombarde, on bombarde.
Voilà. Je pense que là, je l'ai calmé un peu. Tu vois, je lui ai montré que vas-y, c'est pas comme ça. Voilà. Allez, on va le prendre en clinch. On va essayer de le mettre un peu au sol, là. Allez, mon gars. Allez, résiste, hein. Il résiste, et c'est bon. Ok, on l'a mis au sol. On le bombarde au sol, là. Voilà. Premier combat professionnel, les gars, en poids lourd. Donc voilà, on est là pour faire vraiment une bonne impression. Allez, c'est parti. Ok, ok. Ah, il se défend, hein, le monsieur. Ok. Ah ouais, il est résistant, hein. Allez, vas-y, on va retourner debout. On va retourner debout. Ok. Bon, mais les gars, il n'y a aucune raison que je parte ce combat, hein. Normalement, ça va bien se passer. Je le sens très, très bien. Le gars en face, c'est personne pour l'instant. Alors qu'il y a des Nganou, il y a des... Il y a des gros gars qui m'attendent là. Ok. Et... Ok, là il commence à attaquer un peu. Ah ouais, faut que je fasse attention. Oh non. Comment ça? Oh là là, il m'a sonné. Ok, on va faire attention. Ah non, faut pas que je parte ce combat, hein. Vraiment, on va faire attention. Oh, oh là là, oh là là, il devient chaud là. Attends, je crois qu'on va le remettre au sol. Je crois qu'on va essayer de le... Oh, il a même une défense et tout. Ok, eh non non non, on va aller au sol là. Commence à devenir bon. Commence à devenir bon là. On va aller au sol, on va le calmer au sol là. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ok, allez, on le finit, finito. Kevin, Kevin. Et voilà. Voilà. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Premier combat professionnel. Ok. Voilà, là on a montré c'était qui le patron. On l'a montré, c'est qui? Kevin! Voilà, très très bien, très très bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Regardez-moi ça. Ah, il commence à être chaud debout. J'ai dit non, 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 non. Toi, je vais t'emmener au sol. Et tu vas goûter. Tu vas goûter les coups points. Donc voilà, monsieur César. Hein. Bon, ça va pour un premier adversaire. Pas mal, pas mal. On a pu voir. Ah là, on est plutôt à l'aise, hein, sur le ring. Ça va, ça se passe bien. Hein. Ça va, on est à l'aise dans la cage. Hein. Très, très intéressant. Et voilà. On a gagné par KO au round 1 à 4 minutes 7. Hein. Donc c'est très, très bien. Ok les gars, voici mon prochain combat, Arturo Marquez, qui est aussi un no-name, tout au fond du classement. Voilà les gars, allez c'est parti, on va voir comment il se débrouille. C'est parti, la bagarre, c'est parti, allez on salue. Ok, déjà ça a joué très agressif. Regardez-moi son style, on dirait pas qu'il sort de la jungle. En tout cas c'est un vrai poids lourd, hein. Oh là là, guettez les cuisses. Guettez le. Guettez son ventre et tout. Non. Ah, il est costaud, hein, le monsieur. Il est très costaud. Donc, on va essayer de pas se prendre de coups de poing de ce monsieur. Hein, sinon, on va faire dodo. Ok. Et on va se la jouer. Esquive. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Oh là là, il frappe fort. Ça se sent. Ça se sent qu'il frappe fort. Oh. Là, je vais envoyer une bonne. Là. Allez. Ok, on avance sur lui. Très bien, très bien. Ok, ok. Bon, allez, on va le prendre en clinch là. Voilà. On va essayer de le mettre un peu au sol. Ok, il veut pas. Pas grave, on va lui mettre des coups de genou au ventre. Ok. Ok, ok. On va essayer de. Ah ouais, il a de la force en fait. Ah ouais, il a de la force, il a de la force. J'essaie de le guider contre la cage, mais il a beaucoup de force. Vraiment, c'est pas facile de maintenir un gabarit comme ça. Oh là là. Ok, ok, là. Ok, c'est bon, on a réussi à le redominer un petit peu là. Voilà. J'essaie de l'emmener contre la cage, mais vraiment c'est compliqué. Hein. Le monsieur est lourd. Hein. Ok. Voilà, hey, c'est très bien, c'était très bien, c'était très bien. Là, j'étais en train de l'emmener vers la cage, c'était très très bien. Allez, on continue. Vraiment, mon but là, ce serait vraiment l'emmener contre la cage.
Ah, j'ai du mal, j'ai du mal. J'ai du mal. Ok, contre la cage, voilà, nickel. Regardez, ok, ok. C'est ce que je voulais faire, très bien. Ok, maintenant on bombarde. Ah, il est résistant, il est résistant. Il est résistant. Il est très très résistant. Ah, c'est dur, c'est dur. Dommage. Là, j'avais mon petit plan là, l'emmener contre la cage, lui mettre des coups de genou. Wow, il est vraiment résistant. Hein. Il est très très résistant. Oh là là. Vraiment, c'est pas facile. Ce qui serait bien, c'est qu'il mette KO aussi au premier round. Mais là, il reste déjà que 28 secondes. Allez, on va le mettre au sol. Ah, il est résistant, il est résistant. Ok. C'est pas facile. C'est pas facile, les gars. Là, on est vraiment face à un gars. Un petit solide quand même, hein, et un solide client quand même. Hein. Ok, c'est la fin du premier round. Voilà, on va aller dans notre coin avec nos entraîneurs. Ils vont nous conseiller un peu pour le deuxième round. Ils vont nous dire ce qui allait, ce qui allait pas. Très très bien, très très bien. Super, allez. On regarde un peu les ralentis. Voir un peu comment ça s'est passé. Ok, donc pas mal, hein. On est à l'aise, on esquive. Voilà, regardez l'esquive. Boah! Crochet, oh là 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 là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais le prendre en fait. Et voilà, je l'ai sonné ici. Et je voulais le terminer en fait. Voilà, je voulais, en fait, je voulais absolument le mettre contre la cage. Pour lui mettre des coups de genou à la figure. Et après le sonner. Bon, on va essayer de le terminer dans ce round là. C'est parti. Ok, bon là j'avance sur lui. Ok, qu'est-ce qu'il y a mon gars? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te montrer. Là je suis très déterminé. Voilà. Après voilà, hein, le gars vraiment c'est une masse. C'est vraiment une masse. Oh là là. Regardez, regardez son ventre comment il est rouge. À force que je lui donne des coups ici. Oh, oh, oh là il a frappé fort. Il a frappé fort. Fasse très attention. Vraiment faire attention à ses coups. Ils sont vraiment violents. Le gars en face est vraiment très très lourd. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je fais de la lutte ou pas? J'hésite. Allez. Ah, il est résistant. Il est résistant, il est résistant. Non, c'est pas, on va le prendre au clinch. Oh, il a esquivé. Bon. On va le bombarder. Hein. Oh, ok, ok. Allez. On termine ça. On termine ça. Dans sa figure. Dans sa figure. Et voilà. Victoire. Victoire, victoire, victoire. Et voilà, on l'a fini au deuxième round. Comme je le voulais. Très très bien, magnifique. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Bon là on va commencer à monter dans le classement hein, du coup. C'est vraiment pas mal. Regardez comment je l'ai terminé. Je l'ai sonné debout avec un crochet. Il est tombé au sol. Je me suis jeté sur lui. Et voilà, on a bombardé de patates. Et voilà, l'arbitre a séparé. Hein. Magnifique, regardez-moi ça. Et voilà, ok, ok, très bien. Donc les gars, pour l'instant, on est à 2-0. Hein. 2 victoires, 0 défaites. C'est très, très bien. Là, on va commencer à se faire voir un petit peu par les top 20, peut-être, je pense. Parce que là, on doit être 28e, un truc comme ça. Donc voilà, le top 20, on va commencer à s'inquiéter de notre vue. Voilà, en tout cas, on a eu notre adversaire. Donc c'est pas mal, on s'est fait deux adversaires, victoire, tous les deux par TKO. Donc très 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 bien. La première victoire on l'a eu au premier round. Et la deuxième on l'a eu au deuxième round hein, en à peine 1 minute 55, on l'a terminé. Donc c'est très très bien, c'est très très bien. On va essayer de continuer sur cette lancée. Voilà en tout cas les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette série. Voilà, série sur l'MMA. Le but c'est qu'on aille à l'UFC. On n'est pas encore à l'UFC là. Là c'est la WFA, World Fighting Alliance. Et voilà, quand on va se faire un nom, on pourra rentrer à l'UFC tranquillement. Voilà les gars. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et voilà, nous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur GTA 5, sur GTA 4, Street Salt, tout ça. Vous connaissez. Mais je veux un maximum de j'aime si cette série vous plaît. Voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Bye bye.